Et merde, putain. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans l'épisode 3 de Monsieur Elvilia dans les heures. Alors aujourd'hui au programme, ce qu'on va se faire, donc là comme vous voyez les mobs sont en train de mourir sadiquement. Donc je vais vous montrer un petit peu, juste en 2 secondes, ce que j'ai fait pour la maison. Donc là j'ai mis un peu de sable pour le sol, du verre pour les vitres. Et puis alors j'ai fait une maison spéciale Halloween. Pour éviter d'avoir des torches à mettre partout, j'ai mis des citrouilles allumées pour changer un peu. Bon c'est très moche mais au moins ça change. Voilà, je suis prêt pour Halloween. Alors épisode aujourd'hui, objectif, aller trouver de la lave. Car comme plusieurs des abonnés me l'ont suggéré, je ne vais pas trouver du diamant pour me faire une pioche en diamant pour pouvoir miner l'obsidian. Mais je vais me mouler en fait le portail d'obsidian. Donc on va essayer de se trouver de la lave. Alors je me suis fait un seau d'eau. Vous voyez là j'ai sacrifié un truc de fer pour me faire un briquet. J'ai bien fait parce que j'ai trouvé du mouton et du coup j'ai de la bouffe pas mal. J'ai encore 10 fers pour... d'ailleurs je vais me faire un seau tout de suite, un deuxième seau. Comme ça on en aura deux, ça sera mieux. Et je vais me faire... Alors qu'est-ce que j'ai? Je pense que je vais me faire le pantalon. Parce que j'en ai assez pour faire le pantalon. Pile poil. Ok, hop là. Voilà, comme ça me fait un peu d'armure quand même. Je pourrais résister un minimum. J'avais pas un pain à l'époque, si. Je vais le manger tout de suite. Tac, comme ça, on est à fond. Alors, objectif aujourd'hui, comme je l'ai dit. Enfin, je sais pas si je l'ai dit. Trouver de la lave, donc, pour se mouler le portail. Alors, ouais, j'ai miné un petit peu pour voir, pour prendre quelques ressources. Sinon, j'ai pas beaucoup exploré, donc on va explorer ensemble et essayer de trouver une araignée là. Essayer de trouver de la lave ensemble. Là. Bon, je vous avoue que si je pouvais trouver du diamant, ça serait génial, mais je suis pas du tout assez bas pour... Oh putain, j'entends une araignée, mais je la vois pas. Où es-tu, Arachnide? Ah, il y a du fer là-haut et... Oh putain! Oh la vache, allez où? Elle est là. Oh, j'ai flippé là. Allez, dégage. Allez, je vais prendre mon épée, ça ira mieux. Putain, je déteste être surpris comme ça. My god, désolé si je vous ai fait peur. Là, j'avoue que je suis un petit peu... sous le choc, entre guillemets. Alors, ok, là, il y a du fer. On va se le prendre. Putain, il faut que je me détende là. Pff, me fait flipper elle. Ok. D'accord, tiens. Alors j'entends des zombies à côté. Ça, voilà. On se reprend l'épée et les torches et on avance doucement. Oh, il y a encore du fer là. Ok, alors donc le fer là-bas je l'ai ramassé. Je vais aller prendre celui-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Alors attendez, parce que là il va falloir que je me fasse des repères. Parce que je sens que je vais fail et je vais me perdre. Alors, comment je vais pouvoir me repérer? Je sais. Je vais prendre du gravier. Et quand j'aurai mis un bloc de gravier au plein milieu d'un tout seul, ça voudra dire que... Ouais, c'est absolument nul à chier comme technique, hein, mais... tac, on s'en fout. Voilà. Je vais mettre un bloc de gravier là. Pour me dire que c'est par là. Ouais, je vais jamais m'en souvenir. C'est pas grave. Ok. On avance par ici. C'est ultra noir. Par ici... Par ici, on remonte, je vois qu'il y a de la sandstone. Donc nous c'est pas ce qu'on veut, on veut descendre pour trouver de la lave. Alors descendons. Descendons en espérant. En espérant que... Ah mais... Ça rejoint... D'accord. Bon je vais prendre le fer tout de suite là. Putain, il y a une araignée. Ok, hop, je prends le fer, ça sert toujours. Hop là. On peut pas se faire de lac infini de lave comme on peut faire avec l'eau, donc ça c'est un peu chiant. Mais bon,
Donc on va devoir se trouver plusieurs seaux de lave. Alors moi ce que j'aimerais trouver donc c'est de la lave. Oh putain, il y a un creeper. Là là là. Tiens. Voilà, redétends-toi. Allez, allez. Voilà. Alors, j'entends de l'eau. Avançons prudemment. C'est quoi ça là-bas? Un creeper. Hop et hop. Allez. Voilà, on descend, c'est ce que je veux. Parce qu'en général, faut descendre pour... Putain, et je vais me perdre. Alors, on va descendre. Est-ce que ça descend ou est-ce que c'est un cul-de-sac? Ça descend toujours. Ok, parfait. Mon épée. Et c'est un cul-de-sac! Génial! Oh là là, c'est chiant ça. C'est vraiment trop chiant. Donc je vais mettre ça pour pas que ça pop. Une aussi là. Ok, on remonte. Bon bah, ça va peut-être être plus long que ce que je pensais de trouver de la lave. Alors j'aime bien parce que chaque fois qu'on creuse. Et qu'on trouve des galeries, quand on cherche absolument pas de lave, on en trouve tout le temps. Et quand on en cherche, on n'en trouve pas. Ça t'a... Les lois de Murphy. Alors, on va... Alors là, il y a... Alors là, il y a de l'eau. Alors je sais que... Par expérience dans la chose... quand il y a des trucs comme ça et de l'eau naturelle... Voilà, vache, c'est super grand ici. Et le... Oula! Alors il y a une araignée. Un zombie, alors on va se faire. Voilà. Toi, viens là. Alors. Oh yes, de la lave! Ok! Alors, j'ai cru entendre un creeper sauter. Vous savez, un creeper tomber, en fait. Alors. Bon. Ce que je vais faire tout de suite, c'est. Ok, non, là. Je l'avais entendu venir par derrière lui. Ok. Donc, on va éclairer le terrain. Encore du fer. Ok. Et de l'eau. Et du fer, la vache! Parce qu'il manque. Bon. Bah écoutez, c'est parfait. Je vais prendre le fer. Ok, re les amis, donc là je suis tombé, donc comme vous avez pu le voir, hein, ici, sauf que bon, bah, je vais pouvoir prendre la lave, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est pas un lac en fait, donc ça me fait plus chier qu'autre chose. Est-ce que je peux prendre deux seaux de lave du coup? Quand même, ou pas? Pas une deuxième source ou... Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc, bah, c'est pas cool. En plus, je suis tombé. Bon. Oh putain! Bah, du coup, j'ai découvert de l'or. désolé, j'ai vraiment hurlé, mais là, j'étais bloqué. Et... Voilà, bref. Donc, on va prendre l'or. Avec la chance que j'ai qu'il va tomber. Faut vraiment que je déstresse moi. Ah non, il me faut une pioche en fer. Ok.
Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en faire une tout de suite, une pioche en fer. Si j'ai trois. Même si bon, on est d'accord que le. Que l'or, on s'en fout un peu. Bon. Ouais, non, j'ai plus de. Non, j'ai plus de fer. Putain, j'ai vachement de fer en bloc. Bon, bref, on va ressortir. On va ressortir d'ici. Bah, du coup, le creeper est pas mort, donc il va m'attendre en haut, je suppose. Parce que du coup, il est pas tombé avec moi. Où est-ce que t'es, toi? Alors, du coup, je sais même plus d'où je viens. Donc là, ok, on avait vu que c'était. D'accord, donc ça. Je crois que je viens de par là. De là-haut. Alors, faut que j'arrive à remonter là sans mourir. Ça, c'est le jeu. Alors, on va se faire un truc de seconde là, parce que j'entends des bruits. On va se refaire des torches. Voilà. Ça, je peux le virer, j'en ai rien à foutre. Oh non, j'avais déjà du bois, c'est pas grave. Voilà, on va se refaire des torches. Tac, j'ai vraiment ce qu'il faut. Voilà. On va ramasser ça. Ça. Voilà. Ok. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde là. Hein. Creeper, creeper, viens le truc. Tu peux sauter ou pas? Il va me sauter dessus. Voilà. Alors, je vais passer. Il y a vraiment beaucoup de monde là-bas. Oh putain, et c'est un truc de malade parce qu'en fait. Ah ouais, carrément. Donc là, il y a de la lave. C'est celle qu'on avait vue de base en fait. Et non pas celle qui est. Il y a vraiment trop d'accès là. Faudrait que j'enferme un peu des accès. Alors, je vais foutre de la terre là-bas. Alors, avec la chance que j'ai. Non, ça va. Je vais fermer ça. Putain, j'entends. Voilà. Là, ils peuvent plus venir. Parce que là, j'ai trop d'accès, trop de trucs à sécuriser, c'est chiant là. Donc. Par ici, y a quoi? Je vois rien au fond. Donc, on va y aller vite fait. Alors. Alors je m'excuse si je tousse un peu. Je suis malade en ce moment. Ah, je sais, j'ai une crève en août, normal. Normal. Ah, il y a un creeper là, dis donc. J'essaie de me le faire avant qu'il. Avant que je l'ai dans le dos. Là. Ok, parfait. Donc, je vais essayer d'aller choper un peu de lave. Un deuxième seau. Pour commencer cette. Il faut que j'y aille doucement parce que. What, what, what? Allez, hop là, je chope la source. Et voilà, c'est tout ce qui m'intéressait parce qu'il n'y a pas de lac. Voilà. Maintenant, objectif, il y a un squelette là-bas. Putain, c'est pas possible. Putain, il y a un creeper avec. Dégage, 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 dégage. Il me touche pas, nickel. Parfait, j'ai pas perdu un seul cœur. PGM. Alors, donc du coup, on va essayer de remonter. Je sais plus par où. Je me demande si c'était pas là-bas. Ici, là. Alors, j'entends plein, 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 plein de mobs. Je crois que c'est là-bas. Alors, on va se faire ça. Comme ça. J'entends plein de mobs là-haut. Je vais me faire un petit accueil chaleureux, je sens. Hop là. Putain, c'est pas possible. Allez, ça c'est. Toi, je m'en fous, tu me fais pas peur. Enfin, si je te vois avant, tu me fais pas peur. Ensuite, à toi par contre. Oh. Qu'est pas ça? Est-ce que je peux passer par là-bas? Oh oui, je pense même que c'est par là que je suis venu. Oh, attendez, attendez, je mange. Voilà. Je me sens mieux. Voilà, toi tu meurs. Ok.
Alors, bon, pendant que je suis dans la caverne, je tiens à vous dire. Déjà, je viens de passer les 1500 abonnés, alors je vous. C'est énormissime, et je vous remercie vraiment tous de me suivre, c'est génial. Petite chose, je suis donc, comme j'avais dit, en live ce soir, à 22h. Donc, pour avoir l'adresse du live, il faut aller sur ma chaîne, dans le milieu de la chaîne. Vous avez l'info avec le lien du live et tout. Donc, ce soir, à partir de 22h, je suis dessus, et je ferai une map aventure avec vous. Je suis perdu. Attendez. Il pleut, je crois. Ouais, c'est bon, c'est là. Alors, donc, map aventure. Ce soir en live, ça j'ai déjà dit. Et aussi, malheureusement, enfin malheureusement pour vous, moi je pars en vacances une semaine à partir du 7, donc à partir de demain. Non, du 6 au 13. Du 6, donc c'est du 6 à partir de demain. Donc à partir aujourd'hui, ça sera la dernière vidéo avant une semaine sur ma chaîne, car bah, comme j'ai dit, je pars en vacances pendant une petite semaine. Donc malheureusement, vous n'aurez pas de vidéo pendant une semaine. Alors je m'en excuse à l'avance, mais je vous avoue que j'ai quand même bien besoin de cette semaine de vacances. Donc promis, à la rentrée, il y aura des nouvelles vidéos avec. J'ai une petite vidéo spéciale à faire. Vous en saurez plus quand je rentrerai. Ok, donc alors aujourd'hui, objectif bah, plutôt atteint. On a deux sauts de lave. Pour commencer la porte, bon c'est pas énormissime, mais bon, on va commencer tranquille. Objectif en fait à long terme de trouver un lac de lave carrément, un truc assez cool. Alors peut-être que je vais creuser n'importe où pour essayer d'en trouver un hors caméra. Si possible un pas trop loin de là où je vais faire la porte. Comme ça on peut faire des allers-retours assez simplement. Parce que bon, l'eau c'est pas le problème, le problème ça va être la lave. Voilà. Eh ben écoutez, aujourd'hui il y aura eu pas mal de mobs, pas mal de combats, pas mal d'explos. J'ai vraiment pas mal de fer. Je dois en avoir de quoi me faire au moins deux armures entières. Tac. Donc là j'en ai 9 plus 8. Je vais peut-être me faire plusieurs sauts comme ça. Même si la lave est un peu loin, bah ça sera plus pratique. Donc voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Si vous vraiment vous êtes en manque de vidéos, bah. Bah, au pire, vous pouvez regarder les anciennes ou celles que vous avez préférées et tout. Ou sinon, je vous invite à aller voir les vidéos de mes partenaires, entre guillemets, de mes copains. Donc, n'hésitez pas à aller voir Tout Nu, n'hésitez pas à aller voir Travis et H2O Autiste. C'est deux potes à moi qui sont sur le serveur et qui font aussi des vidéos de bonne qualité. Donc, sur ce, moi je vous dis à ce soir pour ceux qui seront présents pour le live 22h. Le lien du live sur la chaîne, je vous le rappelle. Et sinon, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!